Me voici en vacances à Magog, dans un camping. Je peux vous montrer ma tente. Je voulais commencer aujourd'hui, parce que même si je suis en camping, je veux quand même dessiner. Donc, je vais essayer de faire les 151 premiers Pokémon de mémoire. Parce que dans le fond, je trouve que ce qui me fait défaut, entre autres, c'est la mémoire. Il faut tout le temps que j'aille me chercher des références. Puis ça doit faire quoi? Une quinzaine d'années que Pokémon est sorti? En tout cas, genre, je vérifierai ça. Puis, fait que je dois les avoir pas mal dans la tête. Fait que je vais essayer de pratiquer ma mémoire, puis en même temps, la confiance avec ça. Donc, j'y vais. Est-ce que j'ai le droit à une question à toi? T'as le droit à une question à moi. Ça va être une question que je vais te répondre de ce que je me rappelle. Puis si je juge que ta question est trop aidante, je la brûle. Fait que c'est une par Pokémon? C'est une par Pokémon. Puis, ça se peut que toi, tu te trompes. Oui. Ok. Venusaur, là. Il y a une fleur. Merde, ben j'ai deux questions. Il y a... Est-ce qu'on voit ses feuilles? Est-ce qu'il y a des fleurs et des feuilles? Puis si tu sais pas la réponse, je t'ai le droit de t'en poser une autre. Eh, c'est con, hein, mais on dirait que je suis pas sûr. Parce que Bulbasaur, il y a juste son bulbe. À Venusaur, il y a ses feuilles. C'est feuilles puis un bulbe qui ouvre. Venusaur est ouvert. Est-ce qu'il y a aussi des feuilles? Je pense que oui. Ben oui, il y a des feuilles. OK. Pendant mon voyage dans les cantons de l'Est, vous m'avez vu dans mon camping à Magog. Nous avons, dans le fond, été en road trip, donc on a mangé un peu de tout, tout en essayant de réduire un peu les coûts, donc on s'est fait beaucoup de recettes. Je vous joue ici un court résumé des bons aliments que j'ai pu manger pendant mon voyage. Entre autres, en camping, nous avons réussi à faire un feu de bois et à faire cuire des steaks sur le feu. C'était excellent. C'était excellent. Excellent. On est aussi allé à Quaticook et on n'avait pas le choix. On est allé dans l'usine essayer la crème glacée Quaticook. Elle est excellente et en plus, ils font aussi du fromage. C'était tellement bon.
Donc, je vous laisse sur ces images des collations, des hors-d'œuvre que j'ai pu prendre pendant mon voyage. Et profitez-en pour prendre votre collation. On est où, là, Caroline? Au Mont Mégantic. Mm-hmm. À l'observatoire. Qu'est-ce qu'on fait? Pas si pire, mon beurre bizarre. Pas si pire. Ok. Un bizarre, il me semble que lui, il est plus vert. Il est plus bleu. Je vais commencer avec un fond bleuté. Ou pas, Venusaur, il est vert. Ça, c'est sûr. Puis là, ben, j'ai pas le choix de mettre. Il est pas vert avec un petit peu de bleu, genre, il est plus. Non, c'est un Venusaur. Ah ouais. T'as rien à dire, de toute façon. Oh, t'as raison. Oh, t'as raison. Logiquement, j'ai fait la feuille, la fleur, la même couleur que le bourgeon du Venusaur. Salut! Donc, on est revenu à la maison. C'est le moment de vérifier si ma mémoire est cohérente avec la réalité. Donc, je vais regarder, je vais ouvrir mon croquis que je n'ai pas ouvert depuis que je suis revenue. Je vais ouvrir mon guide de Pokémon et je vais comparer là, à quel point je suis dans le champ. On va s'amuser à trouver l'erreur. Je savais que ça allait être difficile pour moi. Je me connais, j'ai de la misère avec ma mémoire. Donc, en espérant que d'ici les 151 prochains, ben en fait, une fois que j'aurai fait les 151,
On espère que ça va être plus facile et que ma mémoire va être meilleure. Donc voilà, on commence avec Bulbasaur. Ok, déjà en partant, une grosse erreur de couleur. J'étais sûre que Bulbasaur était vert, mais que les deux autres étaient plus bleutés. J'étais vraiment dans le champ. Je me souviens avoir hésité à savoir qui avait des taches entre les trois. Je savais qu'Avizor en avait. Je n'étais pas sûre pour Bulbasaur. Et je vois qu'effectivement, il y en avait. Par contre, on s'est pas mal fourvoyé sur sa couleur de peau. Je me souviens m'a dit que pour ses yeux, la couleur de ses yeux, je me disais qu'un Pokémon à l'autre, de toute façon, probablement que c'est comme les humains, puis ils ont des couleurs de yeux différentes. Fait que je me suis dit, ben moi, j'ai envie qu'ils soient bleus. Mais ils sont vraiment pas bleus. Ils sont rouges. Donc là, c'est à savoir si c'est une erreur acceptable ou non. Sinon, les proportions... C'est assez bonne. C'est vrai qu'il est un petit peu plus chubby. Mais non, le résultat est quand même bien. Donc, s'assurer aussi du nom du Pokémon. Il n'y a pas de faute. Yes! Vous allez voir, je suis capable d'écrire n'importe quoi. Mon imagination, elle est très bonne concernant les fautes d'écriture. Donc, on va aller voir. Je vais essayer de le cacher. On va aller voir Ivysaur. Donc, oui, il était bien plus bleu que je croyais. Donc, ses taches sont triangulaires. C'est pas du tout ça que moi j'avais en tête. J'avais plutôt en tête, en fait, des losanges. Et on voit que ses taches sont plus bleu marine que vert. Bon, on voit son feuillage avec son bulbe commence à ouvrir. Ben, son bourgeon. Là-dessus, c'est quand même pas si pire. Ivysaur. Super. Donc, on passe à... Venusaur. Bon. Fait que là, je me suis plantée. Ben, c'est pas si pire. Parce que je me souviens, je savais vraiment plus de quoi il avait l'air. Donc, bon, le mien est beaucoup plus vert. Il devait être vraiment bleu. Je sais pas ce que j'avais. Dans la tête, ils étaient verts. On voit que je me souvenais qu'il y avait des petits dessins sur les pétales. C'est pas les mêmes, mais bon, ok, il y a une ressemblance. J'avais complètement oublié qu'il y avait une tige, par contre. Le mien était fourré sur son dos. Et la petite couronne plus orangée, je l'ai aussi. Donc, c'est pas si pire. Oh, j'ai une belle faute, par exemple, ici. Ça, je savais que ça allait m'arriver. Donc, c'est V. Oh. Venosa. Avec un U. Je vais écrire au complet. Et voilà. Donc, c'est ça pour ma vidéo sur les 151 premiers Pokémon enregistrés, en fait, dessinés seulement avec l'aide de ma mémoire. Comme je le disais, en fond, moi, je suis Pokémon depuis que ça existe, donc ils devraient tous être très bien intégrés dans mon cerveau. On va voir ce que ça va donner. On va continuer à rire un peu de moi. J'espère que vous avez eu une belle pause hors d'œuvre. Je vous attends la semaine prochaine pour en prendre une autre. D'ici là, passez une bonne semaine!